Salut les amis! Alors, bienvenue pour le WOD du jour. Aujourd'hui, quelque chose que j'affectionne particulièrement, un WOD bien cardio et un WOD qui va aller nous faire chercher à taper un petit peu plus loin dans les réserves, aller chercher ce petit surplus de mental qu'il va falloir. Je vous explique pourquoi, c'est très simple. On va devoir courir 1600 mètres, ok? 1600 mètres, et une fois qu'on aura couru 1600 mètres, on alterne deux mouvements. On va alterner des thrusters avec notre objet, notre charge du jour ou une haltère, ce que vous avez, et des burpees. On va alterner ces deux mouvements-là. Et une fois qu'on aura terminé les répétitions, on repart courir 1600 mètres. Et c'est là que le mental va être vraiment challengé. C'est quand il va falloir repartir courir. Alors, je vous explique. Donc, 1600 mètres de course à pied. Si vous ne pouvez pas courir, aujourd'hui, la substitution, le remplacement de la course à pied, ce sera sans monter. Donc sans step-up, sans monter sur quelque chose avec votre charge. Donc l'idée là, c'est quand même d'aller monter quelque chose d'assez haut, parce que sans répétition, faut que ce soit équivalent à peu près aux 1600 mètres de course à pied. Donc dans l'idée, montez-moi quelque chose qui soit supérieur à 60 cm. Faut que ça vous challenge. Voilà pour ceux qui ne peuvent pas courir. Pour ceux qui peuvent courir, ben c'est parti, on met les petites baskets, on va courir. Et quand on arrive de courir, on fait les thrusters et les burpees. Je vous montre les deux mouvements. Donc je prends ma charge additionnel, par exemple mon sac à dos, thruster, je pars de la position sac à dos aux épaules, les coudes vers le bas, je le maintiens, je descends en squat, je remonte, je pousse au-dessus de la tête, je redescends et je pousse au-dessus de la tête, et j'alterne, et donc je fais mes 10 répétitions, donc là ça va se dérouler de cette manière-là, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc 10 thrusters, 10 burpees. 9 thrusters, 9 burpees. 8, 8, 7, 7, etc. Jusqu'à une rep. Et quand on a fait notre dernier burpee, et ben après, on repart courir. Les burpees, toujours pour être efficace, pensez à vous laisser tomber au sol. N'essayez pas de trop amortir votre descente en mode pompe. Parce que plus vous allez amortir la descente en mode pompe, plus vous êtes en mode freinage musculaire. Quand vous êtes en mode freinage musculaire, vous consommez de l'énergie. Donc laissez-vous tomber au sol et sur la remontée, soyez explosif dans l'envoi des hanches de manière à remonter les hanches le plus fort possible, ce qui va vous permettre d'amener vos pieds à hauteur de vos mains et d'avoir moins de squats à faire quand je me relève. Je vous montre. Donc je descends, je me laisse tomber et quand je me remonte, j'envoie fort les fesses vers le haut et ça me permet de remonter mes pieds, de rapprocher mes pieds au plus près de mes mains et j'ai quasiment pas de squats à faire. Pour ensuite venir taper dans les mains. Ok? Voilà pour le mot du jour. Amusez-vous bien, postez-moi vos sensations, ça m'intéresse. Je trouve que c'est un très bon mot du samedi, ça. C'est pour ceux qui sont membres de CrossFit Entrepôt. Vous savez que le samedi, on aime bien se mettre un peu la misère, on aime bien faire des WOD bien durs pour mériter notre week-end. Là, on est typiquement dans le WOD du samedi. Ça me fait super plaisir de vous annoncer ce WOD-là. Je vous souhaite à tous un très bon WOD et moi, en tout cas, je vais me faire un plaisir de le faire ce week-end avec mes enfants et ma mère.